Bonsoir à tous, nous sommes le 12 avril 2018 et comme chaque jeudi soir, 18h, 18h30, c'est le débrief de l'actualité high-tech de la semaine, c'est Zéro en la Webdo. Bonsoir Jérôme Colombin. Bonsoir François Sorel et bonsoir à tous. Voici le sommaire de ce Zéro en Live. Facebook, il y en a un qui a passé une semaine un peu difficile. Hein. C'est pas terminé. Vous l'avez peut-être suivi. 2 jours d'audition pour Mark Zuckerberg devant les parlementaires américains. Et cette histoire nous concerne tous parce que forcément, on est tous sur Facebook. Alors faut-il s'inquiéter de ce qui est en train de se passer et où en est le dossier? On va faire le point ce soir avec Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net. Voilà, Mark Zuckerberg qui fait une drôle de tête quand même hein, pendant cette audience. Il était un petit peu stressé, j'ai l'impression. J'aurais pas aimé être à sa place. Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se passe quand vous faites réparer votre ordinateur? Ce soir, on va vous emmener dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, sans doute. C'est un centre de réparation d'ordinateurs, les amis. Regardez comme c'est beau. C'est une balade en exclusivité, signée Thomas Remilleret, dont ça va être la première intervention dans ce Zéro en Live. Autant vous dire que ça va être chaud. On va le soigner. C'est ça. Petits oignons. Exactement. Très intéressant, à découvrir dans un instant. Bon, l'actu de la semaine, c'est aussi... Eh bien, le nombre de plaintes concernant l'utilisation des données personnelles sur Internet, augmentation de ce nombre de plaintes reçues par la CNIL en 2017. C'est le bilan annuel de la CNIL. Et Noémie Lefebvre-Marek va tout nous dire dans sa chronique Zoom Actu ce soir. Côté labo, parce que forcément, on aura du labo, on va voir 2 produits Sony, mais alors qui sont aux antipodes. Un petit écran avec le Sony Xperia XZ2, c'est Jean-Sébastien Zanqui qui viendra nous en parler. Et puis un grand écran Sony avec une télé OLED qui a complètement renversé David Noguera. Dans tous ses états, ouais, voilà. Mais c'est vrai que l'OLED, c'est déjà pas mal. Alors avec le traitement vidéo Sony, ça doit dépoter les amis. Et David Noguera va tout nous raconter tout à l'heure. Voilà, bienvenue dans 01 Live Hebdo, comme tous les jeudis soirs. C'est parti. Alors, rappelons que nous sommes en direct comme chaque jeudi soir sur YouTube. Évidemment, vous pouvez réagir à ce qu'on raconte via le chat sur YouTube, sur 01nettv.com et sur Facebook Live, sur la page en fait, Facebook de 01nettv où vous pouvez nous suivre ce soir. Et puis évidemment, comme d'habitude sur Twitter, hashtag 01live. La question 01net orange de la semaine. Aujourd'hui, on vous interroge sur ce sujet d'actualité. On va parler de la CNIL dans un instant. La e-réputation. Est-ce que vous surveillez votre image sur Internet? Dites-le nous. Vous allez sur www.01nettv.com et puis vous répondez au sondage s'il vous plaît. Et on fera le point tout à l'heure. Donc oui, activement, de temps en temps seulement, ou non, je m'en fiche. Voilà, allez-y. Voilà. Dites-nous tout. 01nettv.com. N'hésitez pas à réagir, on va maintenant évoquer Facebook, gros sujet quand même, avec un Mark Zuckerberg qui a été obligé de s'expliquer longuement, Jérôme, cette semaine. Oh là là, c'était chaud, hein. 2 auditions, 2 jours d'audition, il était plutôt tendu et Nicolas Lelouch de 01net a dû beaucoup dormir, hein, Zuckerberg. Mais je pense qu'il s'était vraiment bien préparé. Ouais, c'est clair. Oui. Et Nicolas non plus n'a pas beaucoup dormi. Bonjour à tous les deux. Ah, tu étais aussi à l'audience en fait. J'étais en live stream de l'audience. C'est toi qui soufflais les bonnes réponses à Mark Zuckerberg. Bah oui, malheureusement, j'aurais aimé lui donner de meilleures réponses peut-être parce qu'il n'a pas toujours été au point. Mais Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette audition? Déjà, c'est long une audition aux États-Unis. C'était 5 heures au Sénat, 5 heures au Congrès. Donc c'est très très long puisqu'il y a eu 2 pauses à chaque fois pour chaque séance. Hein, vous imaginez, c'est éternellement long pour Mark Zuckerberg, donc il a passé énormément de temps. Et surtout, ça se répète beaucoup, c'est-à-dire que tout au long de la séance, c'était à peu près la même chose. Il était un peu robotique. Hein, il était robotique, il était reptilien, il y a eu énormément de théories sur les réseaux sociaux. On se demande si... C'était peut-être un robot, non ? Il y a des théories, sincèrement, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, à un moment, il a attrapé son verre d'eau, le corps ne bouge pas, il n'y a que la main qui bouge. C'est dingue, ça. Non, mais attendez, juste une seconde, mettez-vous quand même à sa place. Ce gars-là, il a quel âge? 25 ans? 3 ans. Il a la trentaine. Il a la trentaine, pardon, excusez-moi, 33.
tout lui réussit. C'était un peu, c'est un peu le roi du web, on est d'accord. Oui. Okay. Le roi du monde. Le roi du monde. Et il se retrouve comme ça, montré du doigt par évidemment des gens très importants, et doit et répondre aussi. Et il doit rendre des comptes. Et rendre des, voilà, rendre des comptes assumé, et répondre à des questions. Il a assumé, il s'est répondu en excuse. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que Mark Zuckerberg va se retrouver dans une situation où il parle d'homme puissant à homme puissant, oui. Et donc du coup il y a une sorte de respect mutuel, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il s'est fait malmener par les sénateurs et les congressmen pendant des heures, et des fois il est en train de répondre, on lui coupe la parole violemment en mode ce que tu dis n'est pas intéressant, et c'était vraiment une cour d'école, un proviseur qui convoque un enfant qui a fait une erreur, et il était tête basse pendant des heures juste à devoir dire désolé, on va faire le maximum. Et malheureusement, ouais. Je ne suis pas sûr qu'il ait été convaincant sur toute la ligne. Hein. Ça a été compliqué pour lui. Mm-hmm. Peut-être encore une réflexion sur la forme. Il paraît qu'il était très, très à l'écoute et pas du tout agressif, alors que c'est vrai que Mark Zuckerberg, la plupart du temps, lorsqu'il s'exprime, auparavant, il était quand même assez sûr de lui, oui. Et plutôt vindicatif sur son sujet, Facebook. Oui. Là, il paraît qu'il était plutôt dans le mea culpa. Il était plutôt dans mea culpa. Après, c'est vrai que souvent, il était très évasif sur ses réponses. C'est-à-dire qu'on lui demande est-ce que Facebook collecte les données de tous ses utilisateurs depuis la date de création. Faut pas être bête pour savoir que la réponse est oui. Mmh. Mais au lieu de l'admettre, il préfère dire écoutez, je vais transmettre ça à mes équipes et ils vous répondront. Ils reviendront vers vous, et à plusieurs reprises, ça a été la phrase qui a été dite, qui a été moquée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, puisque Mark Zuckerberg préfère ne pas répondre et laisser ses équipes s'en occuper plus tard. Soi-disant par peur d'être imprécis, mais aussi parce que je pense que c'est dur d'assumer sur certains points. Et Charles qui dit Mark Zuckerberg sur YouTube, pour la deuxième fois de sa vie en costard-cravate. C'est vrai qu'on le voyait plutôt la plupart du temps en survette. Là, il avait sorti le costard. Il y a une petite info qui a amusé pas mal les réseaux sociaux aussi, c'est qu'il était sur un rehausseur parce que Facebook voulait montrer une image d'homme grand et pas quelqu'un qui est aplati en dessous des députés et sénateurs. Et puis ces notes ont fuité, hein, oui. Ces notes personnelles sur Facebook. Ont été prises en photo et elles ont fuité. Je ne sais pas si c'est sur Facebook. Non, c'était sur Facebook. C'était Reuters qui a récupéré les notes. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ces audiences? Non, mais on a titré ce live « Est-ce que Facebook est en danger ?» Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Facebook est en danger? Pas forcément. En tout cas, ça pourrait être le début d'un danger, puisque ce qui risque de se passer maintenant, c'est à peu près comme en Europe, on a la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données, qui fait du coup qu'on est obligé que les grandes marques comme Facebook, Google sont obligées de donner plus de transparence sur comment les données sont contrôlées, et surtout nous donner la possibilité de les effacer si on le veut. Donc ce qui risque de se passer maintenant, c'est que les États-Unis vont vouloir avoir leur RGPD. Ça pourrait être plus que nous, un peu moins. Et l'enjeu pour Facebook, en fait, c'est d'arriver à négocier et à être dans les débats. Donc en fait, Mark Zuckerberg, toute sa démonstration pendant ces 10 heures d'audition, c'était de dire « Moi, je suis là pour collaborer. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut réguler parce qu'on a peut-être allé trop loin. Donc du coup, incluez-moi dans les débats et je vais vous aider. » Maintenant, est-ce qu'il a convaincu on va bien voir, mais... C'est incroyable que les États-Unis en sont à citer les Européens en exemple, en disant, vous avez vu finalement ce qu'ils font là-bas, ça peut peut-être être intéressant. Finalement, est-ce qu'on ne ferait pas pareil? C'est vrai que c'est une remarque qu'on peut se faire. Et lui, Mark Zuckerberg, promet qu'il veut étendre le RGPD au monde entier, qu'il n'y aura pas de différence. Mais bon, après, tout ça, ça reste à prouver. Il y a différentes pistes qui ont été évoquées, notamment, on lui a demandé... est-ce que vous pouvez remettre en question votre système gratuit avec publicité? Oui, le modèle économique. Et lui n'a jamais dit clairement, oui, on va faire une version payante. Mais en tout cas, il a dit que s'il doit toujours y avoir une version gratuite de Facebook, la porte n'est pas fermée pour une version. Oui, si on dit qu'il doit toujours avoir une version gratuite, ça peut vouloir dire qu'il y aura peut-être un jour une version payante. On peut imaginer une version payante de Facebook où, en échange d'un abonnement, on arrête de piquer vos données. Donc ça peut vous y croyez, vous, franchement, une version payante de Facebook? Ce que fait YouTube avec certaines vidéos. Ce que fait YouTube, il y a YouTube Red aux États-Unis qui n'est pas encore disponible ici, mais qui risque de l'être bientôt. Qui visiblement n'est pas un carton en plus. Ils ont du mal, YouTube, à trouver des abonnements, enfin, à des gens qui s'abonnent à ce service-là. Au final, pour beaucoup d'utilisateurs qui ne se posent pas les questions de vie privée, le service est le même, bien sûr. Qu'il est gratuit ou payant. Non, et puis surtout, c'est compliqué de transformer un modèle quand il est gratuit. C'est-à-dire que là, vous arrivez, Facebook depuis 10 ans est gratuit, d'un coup, vous dites, ah ok les gars, si vous voulez avoir une version premium sans pub, etc., il faut payer. Pas sûr. C'est compliqué. Oui, ça risque. Moi, je pense que les gens sont tellement accro à. Tu crois qu'on pourrait avoir une version payante? Les gens sont qu'on pourrait avoir une version payante ou qu'elle aurait du succès si elle existait? Les deux. Écoute, je pense que les gens sont tellement accro à Facebook que une partie serait probablement
prête à payer, ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que tout succès est relatif avec Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Il y a des pays où ils n'ont certainement pas les moyens de se payer un abonnement. Mais ça ne veut pas dire que tout Facebook devient payant. Hein. C'est une version premium. C'est ça serait une version premium. Mais est-ce qu'elle arriverait réellement à... Ça, je pense que ça serait plus une manière pour Facebook d'arriver à retrouver en crédibilité qu'autre chose. Alors on nous dit sur YouTube, personnellement, je ne paierai jamais pour Facebook. C'est Isha qui nous dit ça, en effet. Oui, c'est bien comprendre, c'est pas tellement étonnant. Bon voilà, on en reparlera. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Voilà. Merci à vous. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com. On va passer à un autre sujet, François. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à répondre à notre question 01net Orange de ce jeudi soir, où on vous questionne justement sur ce sujet, Jérôme. On rappelle la question qui était là. Voilà, l'irréputation, surveillez-vous votre image sur Internet. Et est-ce que... Alors, ça donne quoi? De temps en temps, 49%, c'est ça? 46, d'accord. Oui, parce que c'est loin. L'écran est à 12 km. Oui, c'est ça. C'est très, très, très petit. oui, activement, on est à 44. Et non, je m'en fiche. C'est intéressant, donc il y a quand même... C'est ça. Pas mal de monde qui jette un œil de temps en temps, qui se sent concerné visiblement. Très bien, continue à voter. Bon, on est tous un peu égaux quand même. On a l'ego qui est là, donc on aime bien un petit peu regarder ce qui se passe. C'est logique. Non, mais ça ne veut pas dire, est-ce que tu regardes sur Internet pour savoir si on dit du bien de toi, François? Non. De toute façon, on ne dit que du bien de toi. Non, mais moi, je ne parle pas de moi, je parle des gens en général. C'est pour savoir si on ne dit pas du mal. C'est ça, c'est surtout ça. Bon, revenons à nos moutons. Et si on parlait de réparation de PC? Que se passe-t-il quand votre ordinateur est cassé? Vous êtes très énervé. Alors vous allez le rapporter chez votre revendeur. Et après, qu'est-ce qui se passe? On aimerait bien savoir. Eh bien, on va en parler avec Thomas Remilleret qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Bonsoir et Thomas. Et on applaudit Thomas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, qui est journaliste à 01net TV, qui pour la première fois intervient sur le plateau de 01 Live. Ah, c'est-à-dire que je suis souvent derrière la caméra, en fait. Exactement. Eh bien voilà, il s'est coiffé et tout, parce que d'habitude, il est beaucoup moins bien coiffé. Je suis beaucoup moins beau d'habitude, faut le dire. Là, il est bien, très bien, parfait. Thomas. Alors Thomas, tu es allé à Angers pour visiter donc ce SAV informatique, et c'est pas n'importe lequel. Oui, en fait, c'est celui de Acer, donc un constructeur taïwanais, et c'était la deuxième fois seulement, en fait, que le SAV ouvrait ses portes aux journalistes. Et donc en fait là-bas, il y a 80 personnes qui travaillent à temps plein pour réparer tous les produits de la marque. Donc ça peut être les tablettes, les ordinateurs et surtout les notebooks qui sont très fragiles, on le sait. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que ça part pas à l'étranger, c'est fabriqué ici chez nous. C'est réparé en France. Ici. Ça, c'est cool. Et alors en plus dans un lieu qui a une histoire particulière. C'est ça, parce qu'en fait, Acer a racheté Packard Bell en 2008. Et en fait, cet entrepôt qui fait quand même 5000 m2, à l'origine, était une chaîne de production de Packard Bell. Et à la grande époque, il y avait jusqu'à 1200 personnes en fait, qui travaillaient là-bas. Et là, ils sont combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont 80. Donc quand effectivement, il y a quand même une baisse drastique une petite des charrette. Effectifs, en effet. Et donc quand Acer a racheté Packard Bell, effectivement la chaîne de production a été délocalisée en Chine. Néanmoins, ils ont décidé d'utiliser cet entrepôt pour en fait, avoir un SAV dans le pays. Donc en fait, tous les PC, quand vous envoyez votre PC que vous avez acheté en France, tout est centralisé à Angers. Et ils font ça pareil en Espagne, en Allemagne. C'est un moyen d'être proche, on va dire, du consommateur. Et donc là, c'est que pour les clients français, enfin les ordinateurs. Exactement. Donc c'est uniquement les clients français. Si vous êtes en fait, qu'il y a un SAV par grand lieu de pays. Donc il y a en Allemagne, Espagne. Je crois qu'Espagne et Portugal, tout va en Espagne. Mais globalement, c'est plutôt local. Alors, on se met dans la situation où j'envoie mon ordinateur parce qu'elle ne marche plus ou ma tablette. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, déjà, ce qui se passe, c'est que vous allez l'envoyer. Et ensuite, ça va être reçu. Donc, ce qui va se passer, c'est que les produits sont reçus et ils sont une première fois, ils sont vérifiés. On va vérifier tout d'abord l'aspect extérieur du produit. On va regarder s'il n'a pas de rayures, s'il a des chocs, si l'écran est cassé. Ensuite, en fait, ils vont être transférés à un service de diagnostic. Et en fait, Acer a développé un logiciel propre qui va à la fois permettre d'enregistrer dans une base de données, mais aussi d'analyser les problèmes matériels de l'ordinateur. Typiquement, moi, quand j'y suis allé, il y avait un disque dur qui était en panne. Il branche, en fait, le technicien branche un port Ethernet. Il installe une suite de logiciels, de drivers. Ouais. Et en fait, le programme va automatiquement diagnostiquer c'est ça. Ce qui, oui, ce c'est qui pas ne va fait, pas. C'est pas j'ouvre, tiens. Non, bien sûr. Ça va pas, là. Il y a quand même besoin d'humains.
parce que forcément le logiciel n'est pas parfait. Mais là il faut qu'il s'allume encore alors si on met Il faut qu'il s'allume encore, mais alors ce qu'ils font c'est qu'ils le démarrent en fait ils le démarrent pas sur le BIOS, ils le démarrent sur, uniquement sur le logiciel en lui-même. D'accord. Ce qui fait que si vous avez votre disque dur qui est mort, vous pouvez quand même accéder un minimum à l'ordinateur et pouvoir le contrôler et lancer le diagnostic même si votre disque dur est mort. Ensuite, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que le SAV possède toutes les pièces en fait, sur place pour gagner du temps. Mmh. Et en fait, le technicien de diagnostic va commander une pièce et l'envoyer au technicien de réparation. D'accord. Et après ? Alors en fait, la réparation se fait. On envoie ensuite au service qualité. Donc on va vérifier pendant quelques heures que le dispositif fonctionne bien. On va simuler par exemple pour une tablette regarder des vidéos. On va simuler du surf pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il y a quand même un test derrière parce que vous pouvez très bien, le logiciel n'est pas parfait, l'œil humain n'est pas parfait. Et surtout, à Serres, un technicien doit réparer 15 ordinateurs par jour. Ouais. Donc forcément, vous avez beau aller vite, c'est bien d'avoir derrière un petit service qualité pour vous assurer au cas où il y a un truc qui est manqué, ça peut arriver. Et ensuite, très simplement, c'est expédié directement en fait, au client via Chronopost. Donc ça, c'est à la fois qu'il soit sous garantie ou pas sous garantie. Alors en fait, si vous, effectivement, il répare des produits sous garantie et qui ne sont pas sous garantie, bien sûr, si le produit n'est plus sous garantie, là, il faudra payer, il y aura une facture à régler. Alors Thomas, en général, certaines marques n'ont pas forcément très bonne réputation en termes de SAV, etc. Et il faut le dire, hein, c'est un peu le cas d'Acer. Acer a été traîné pendant des années, une mauvaise réputation de très longues années. Fiabilité aussi. Oui, de fiabilité. Donc du coup, forcément, on envoyait beaucoup en SAV. Et effectivement, il y avait de très très mauvais retours. Alors du coup, je me suis dit, j'en étais sûr que vous allez me poser cette question. Ah. Bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose. Du coup, j'ai posé la question au directeur marketing d'Acer et on va voir tout de suite sa réponse. Cette réputation est intervenue à un moment où la marque Acer a explosé en termes de volume, en termes de vente. Et forcément, pour nous, ça a été difficile de gérer l'afflux de pannes qu'il peut y avoir. Quand on vend 10 PC ou quand on en vend 1 million, qu'on ait 1% de panne sur nos produits, forcément quand on en vend 1 million, on en a beaucoup plus à gérer. Et derrière, à l'époque, on n'a pas pu absorber cette demande, mais c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a racheté Pacarbel et qu'on avait cet espace à disposition, on l'a transformé en SAV pour pouvoir répondre à la demande et au niveau de qualité qu'on exigeait pour nos produits. Mmh. Et oui, plus on vend des PC et plus il faut avoir les reins solides derrière pour les réparer. Exactement. Hein. Bon, et visiblement, c'est un succès parce que Acer a été élu meilleur service client pendant 4 ans, 2014, 2015, 2016 et 2018. Ça, après, on va voir effectivement si les internautes sont d'accord. Très bien. Parfait. Alors, tiens, puisqu'on parle de PC. Merci Thomas. Sachez qu'il vous attend sur 01net.com. Un tuto pour vous expliquer comment monter votre PC gaming. Ah oui, alors ça, c'est un truc de geek. Ça, c'est super cool. Ça, c'est génial. Franchement. Toute une série de vidéos pour vous montrer comment on peut monter soi-même son PC. Ah, exactement, une série de 11 vidéos que j'ai faites avec Aymeric Siméon, qui est spécialiste PC de la rédaction. Oui, master PC. Et donc, on s'est installé justement ici et on a monté un ordi, un ordi quand même qui envoie du lourd, on va pas vous le cacher, on s'est fait plaisir. Et donc du coup, là, vous retrouverez un dossier sur 01net.com avec 11 vidéos. Et normalement, vous devriez vous en sortir sans souci. Ouais, c'est super intéressant. Si vous avez l'intention de vous lancer là-dedans, vous apprendrez par exemple comment il faut faire pour fixer le microprocesseur sans l'abîmer. Parce que, attention, il y a des précautions à prendre. À quoi correspondent telle ou telle pièce vraiment, c'est à voir. Il y a énormément d'astuces. On a essayé de glisser plein d'astuces de spécialistes pour que vous puissiez monter votre ordi le mieux possible et le plus facilement. Très bien. Jérôme, que tu étais Jackie PC avant. Hein, ah, écoute, tu étais petit. Moi j'ai fait ça pendant longtemps. Et à l'époque, beaucoup monté les PC moi-même. Les Pentium MMX, hein, tu te régalais, ça sur ta machine. Et oui, c'était la grande époque. Bon, maintenant on est passé à autre chose. Noémie me regarde avec des yeux, mais qui sait qu'est-ce qu'il fait. Maintenant on est plutôt sur Netflix. Mais enfin bon, ça c'est. Ouais. Voilà. Merci, merci beaucoup Thomas, c'était merci, super. Thomas. Ouais, top. Et bravo. Et bravo, c'est vrai. Vous l'avez entendu, cette belle voix féminine, c'est celle de Noémie, qui est là juste après ce petit jingle pour le Zoom Actu.
Et puis n'hésitez pas, vous pouvez réagir donc avec le hashtag 01Live sur Twitter ou, c'est encore plus simple, hein, si vous êtes sur YouTube et si vous suivez le flux des discussions YouTube, vous pouvez nous laisser un petit message. Attention les amis, on frôle les 400 000 abonnés. On n'est vraiment pas loin là. Ça commence vraiment à nous gratouiller. Donc j'aimerais bien qui sera le 400 000, voilà, que vous vous abonniez pour qu'on puisse franchir cette barre plutôt symbolique et sympathique dans les jours ou les semaines qui viennent. Et nous accueillons Noémie Lefebvre-Marek. Bonsoir. Bonsoir Noémie. Messieurs. Bonsoir Noémie. Ça va? Bah oui, ça va et vous? Bah oui, ça va. Bah bien sûr que ça va bien. On a eu un applaudissement pour Noémie dans, ouais, le, dans ouais, le studio au fond. C'est plutôt sympathique. Noémie, pour faire un zoom sur l'actu numérique de la semaine, cette semaine, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a remis son bilan annuel. Donc elle fait le point, elle nous raconte ce qui s'est passé en 2017. Vous savez, la CNIL, c'est ce qui veille sur la protection de nos données personnelles. Alors, je vous pose la question. Noémie, que s'est-il passé en 2017? Mais je vais vous répondre. Point d'impatience, mon cher Jérôme. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un record de plaintes en 2017. La CNIL a enregistré 8360 plaintes d'internautes. Et quand on détaille ce bilan, c'est assez intéressant parce qu'on apprend plusieurs choses. D'abord, les motifs de plainte. Alors, principale source, c'est tout ce qui concerne la réputation en ligne avec des personnes qui saisissent la CNIL, par exemple, pour obtenir le déréférencement d'un contenu qui les concerne. Un cas courant, la CNIL donne un exemple. Une maman qui avait saisi donc la CNIL pour faire supprimer une vidéo dans laquelle sa petite fille apparaissait. Le diffuseur de la vidéo n'avait pas réagi à sa demande. La CNIL a pu intervenir et a fait supprimer la vidéo. C'est bon à savoir. C'est un peu un médiateur dans ce cas précis, non? Oui, enfin, c'est une autorité, qui dit okay, vous supprimez la vidéo. Ah ouais. Sinon, ça va faire mal. Exactement. Ouais. Autre exemple, une jeune femme qui avait contesté la décision d'un moteur de recherche, bon, c'est pas lequel, hein, qui de ne pas supprimer les résultats associés à son nom et son prénom dans ce moteur de recherche, parce qu'en fait, dans les images, ça affichait des photos d'arrestation d'une personne aux États-Unis, et donc ça lui avait posé des problèmes de visa, figurez-vous. Et donc, elle était passée par la CNIL pour faire supprimer ces liens-là. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la réputation en ligne, c'est un tiers des plaintes, mais il y a aussi beaucoup de plaintes, 25%, pour tout ce qui concerne la prospection commerciale. Quand on est harcelé au téléphone, par mail, par des prospects qui nous demandent si on veut des volets roulants, etc. Si par exemple notre numéro de téléphone apparaît parce qu'un jour on l'a laissé malencontreusement sur un site, la CNIL peut le faire enlever. Bah, c'est à la CNIL qu'il faut s'adresser effectivement pour faire effacer ces données personnelles. D'abord à l'organisme en question. Voilà, oui, et si la CNIL intervient, exactement. Puis il y a aussi des problèmes, on y pense moins, liés aux données dans le monde du travail. Alors là, il y a un exemple assez intéressant. Un personnel, une jeune femme de la fonction hospitalière qui avait communiqué son numéro de portable au RH, aux ressources humaines de son hôpital, pour une inscription dans le plan blanc. C'est vous savez, quand il y a un énorme problème, un attentat par exemple, on déclenche le plan blanc, tous les infirmiers, secours, les secours sont réquisitionnés. Et puis en fait, elle a donné son numéro, elle s'est retrouvée à recevoir pendant ses périodes de repos des appels, des sollicitations de RH pour venir travailler, pour remplacer des personnels absents. Donc autre utilisation de la donnée qu'on lui avait demandé. Donc là, elle a saisi la CNIL et on lui a donné raison. Noémie, la CNIL dit également voir des tendances se décider en termes de préoccupation des internautes. Oui, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu plus loin. Alors, il y a une question que se posent de plus en plus les gens, c'est tout ce qui concerne la sécurité des objets, l'Internet des objets, l'IoT, avec notamment alors, le gros cas des compteurs Linky, ça c'est le compteur intelligent d'Enedis. Il y a aussi des questions de plus en plus sur tout ce qui concerne les enceintes connectées. Qu'est-ce qu'entend Google Home précisément? Où partent ces données? Et puis de façon plus générale, la CNIL note une explosion de visite de son site internet avec des requêtes besoin d'aide qui augmentent de 21% par exemple. En fait, les gens cherchent de plus en plus une information très concrète, très pédagogique. Ils souhaitent être pris par la main pour résoudre leurs problèmes numériques de la vie quotidienne. Et puis, ce que dit la CNIL, c'est que évidemment, avec les problèmes, les scandales récents, on vient d'en parler avec Cambridge Analytica, Facebook, et bien les gens prennent de plus en plus conscience que leurs données circulent à droite à gauche. Ils s'intéressent de plus en plus et donc évidemment, ça c'est une tendance lourde. Pour vous dire, la CNIL attend beaucoup là-dessus du RGPD, le règlement, qui va rentrer en application le 25 mai. Les gens ne connaissent pas beaucoup, je pense qu'on va beaucoup en reparler. Ça concerne la responsabilité des entreprises vis-à-vis de ces données-là. Pour la CNIL, c'est une bonne nouvelle, c'est une chance pour les internautes. Parfait. Ça fait peut-être aussi un peu moins de travail à la CNIL qui est débordée. Hein.
qui doit avoir beaucoup de travail. Je pense qu'elle va faire encore plus de travail. Plus de travail. Ouais. Bah oui, parce qu'elle va devoir justement taper sur les doigts des entreprises qui ne respectent pas le RGPD. Il y aura beaucoup plus de cas finalement dans lesquels on pourra encore plus d'entreprises et encore plus de cas. Ouais. Merci Noémie. Merci à vous. Merci beaucoup Noémie. Et vous, est-ce que vous surveillez votre réputation sur Internet? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. E-réputation, surveillez-vous votre image? Oui à 44%. 44%. Donc en de fait, temps si on ajoute, en temps, ouais. 40%. Et non, je m'en fiche. 16%. Donc il n'y a que 16%. Donc il y a quand même une majorité d'entre vous qui jettent un œil et qui se sentent concernés. Très intéressant. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. www.zeronettv.com. Il est 18h25 et tout de suite, le labo arrive en force. Le Labo 01 Net, vous le savez, c'est comme ça qu'on conclut tous les jeudis soirs notre 01 Live Hebdo, avec le retour de Jean-Sébastien Zanqui. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, Jean-Sébastien. Ça faisait un moment qu'il n'était plus dans le 01 Live et il revient et c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis aussi David Noguera. Salut David. Salut, bonsoir. Voilà, pour ceux qui découvriraient cette séquence, donc le labo, c'est-à-dire c'est le labo de 01 Net, et ça c'est les experts du labo qui viennent. Oui, c'est pas le labo médical. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec les analyses diverses et variées qu'on peut faire dans un labo médical. Hein. Et ici on teste notamment les smartphones. On commence par le smartphone. Allez, et c'est Jean-Sébastien avec donc un nouvel Xperia. Oui, donc l'Xperia XZ2 de Sony. Donc Sony, on sait combien ils font de bons smartphones, on va dire, haut de gamme. Ça fait quand même longtemps qu'ils avaient le même design, qu'ils appelaient Omnibalance, qui est un design qui traîne depuis quand même. Omnibalance. Ouais, c'était ce design, vous savez, emblématique d'Xperia avec le bouton de verrouillage et le capteur d'empreinte sur la tranche. Mais c'est un design qui datait de 2013 quand même, donc 5 ans avec le même design, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui, voilà, ils vont un petit peu évoluer, mais bon. Et là enfin, moi j'aime beaucoup, j'étais très fan de design, et enfin Sony fait un nouveau design. Moi aussi je suis fan de Zidane, très différent. C'est exactement ce que j'ai compris. Moi j'étais en train de me dire, je vais sortir Zinedine Design, mais ça va pas faire rire. Et finalement, il y a une espèce comme back JS, il y a une espèce d'explosion, je sais pas ce qui se passe. Vous avez regardé le match hier, c'est ça? C'est et ouais, donc ce design, non, je plaisante, hein, évolue beaucoup puisque on se retrouve plutôt qu'avant un look très anguleux, on a plutôt un look assez bombé. C'est du vert, le dos est en vert, mais en vert bombé. Et le capteur d'empreinte se retrouve au dos de l'appareil. Surprise. Ah. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, Sony a mis un écran 18/9 en façade et n'a plus vraiment la place de mettre un capteur. Quoique, parce que les bords sont assez larges. Hein, mais ouais. Bref, passons. Donc ce capteur est au dos. Et c'est un peu le premier souci de ce XZ2, c'est que le capteur est beaucoup trop bas. C'est-à-dire que quand on met le doigt sur le dos de l'appareil pour mettre le doigt sur le capteur d'empreinte, ouais, c'est en fait l'objectif photo. Ah, mais ça c'est bien. Ils sont tombés dans ce panneau. Ils nous ont fait une Samsung. Donc tu voilà, une Samsung Hit. Une Samsung Galaxy S8. Voilà, c'est exactement. Le problème qui elle est une valise, hein, bien sûr. Juste, mais ça veut dire que donc tu mets ton doigt, mais est-ce qu'au bout d'un moment tu arrives quand même à bien le repositionner? Au bout d'un moment, tu comprends qu'effectivement le capteur est plus bas, donc tu fais un peu glisser le téléphone vers le haut dans ta main pour pouvoir l'atteindre puisqu'il est plus bas. Bon, c'est pas vraiment une réussite ergonomique, soyons clairs là-dessus, c'est pas son avantage premier, hein. Ça c'est clair. Le deuxième point quand même important chez Sony, c'est l'appareil photo. On vous rappelle que Sony c'est un expert de la photographie. Ils font des appareils hybrides qui sont géniaux, ils fournissent une grande partie des capteurs qui sont utilisés dans tous les smartphones, mais depuis des années, Sony n'arrive pas à être à la hauteur des meilleurs du marché, que ce soit Samsung, clairement. Samsung, ils ratent le coche de quoi, du logiciel de traitement vidéo. En fait, c'est du logiciel. Ce nouveau capteur, c'est un capteur de 19 mégapixels. Sony prévoit un nouveau traitement logiciel, etc. Il y a du progrès. Là-dessus, c'est clair. Il y a du progrès par rapport à ce qui se faisait. Ça fait bien 2 ans qu'il y a du progrès. Mais ils sont toujours en dessous, et notamment sur la vitesse. La vitesse de l'application appareil photo, c'est pas possible. C'est-à-dire vraiment, quand on a un S9 dans les mains, on appuie, c'est bim, bim, bim. Vraiment, on prend les photos en rafale sans problème. Et là, le temps de mise au point et le temps d'affichage de la photo, de processing de la photo, aïe, aïe, c'est aïe. vraiment
voilà, clairement là-dessus, Sony est encore à la bourre. C'est bien dommage. C'est dommage parce que Sony ne devrait pas être à la bourre là-dessus. C'est un des domaines de prédilection de la marque japonaise quand même. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas reprocher rien du tout à Sony, c'est la puissance de l'appareil. C'est-à-dire là-dessus, comme à chaque fois sur le haut de gamme, le processeur, le SoC Snapdragon 845, qui est le dernier en date de Qualcomm. Oui, qui est le plus puissant. Qui est le plus puissant de Qualcomm. C'est un super haut de gamme, 2,7 GHz. Il est très bien géré, là-dessus Sony sait faire, il n'y a aucun souci. C'est puissant, en multitâche, on fait tourner plein d'applications, on passe de l'une à l'autre, c'est fluide, les jeux 3D sont fluides. Donc voilà, au moins ça, pardon, ça arrive. Au moins ça, c'est OK de ce côté-là. Ça et la finition qui est parfaite, comme toujours chez Sony. L'audio, Jean-Sébastien, alors, l'audio, j'ai vu une petite question passer sur YouTube. Ouais, voilà. C'est rigolo, est-ce que ça concerne le système de vibration d'audio ou pas? Parce qu'il y a un truc assez rigolo sur ce... La qualité son, parce qualité que c'est vrai qu'en général, les Sony ont plutôt une bonne qualité sonore. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est qu'effectivement, il y a ce système, ça y est, j'ai un trou de mémoire, de qualité audio. Hi-Res, voilà, ouais. Exactement, qui est intégré là-dedans. Donc, il décode des fichiers haute définition audio. Là-dessus, voilà, c'est déjà une constante chez Sony sur les appareils haut de gamme. Et puis, il y a quand même un système qui est assez rigolo, c'est un système de vibration qui va accompagner le son des vidéos. Par exemple, vous allez regarder une vidéo, il y a un film d'action, une explosion, le téléphone va vibrer de manière coordonnée avec les explosions, ça peut se régler l'intensité. Ouais, c'est une fonction qui était très mise en avant au Mobile World Congress de Barcelone. En vrai, c'est sympathique. Se faire un film de 2 heures avec ce petit gadget dans les mains, bon, au bout d'un moment, c'est un peu perturbant. Enfin, tu fais un film de 2 heures sur un smartphone Dans le train, ça peut arriver, un épisode de série, même 45 minutes, ça fait un peu long. Oui. Mais après, voilà, c'est rigolo sur des vidéos YouTube assez courtes. C'est rigolo parce qu'on a plein de questions, on ne va pas pouvoir répondre à tout, mais la solidité, la qualité vidéo... Alors la solidité, c'est du verre, c'est de la glace, mais c'est en verre, donc effectivement, vous allez le jeter par terre, ça va être compliqué. C'est clair, il faut faire attention à ça. Qualité vidéo, il est étanche, bien sûr, c'est du IP68. Ça fait un moment d'ailleurs que les Sony. Ils ont été parmi les premiers. Tout à fait. Et la qualité vidéo, il y a quand même un argument qui est important, c'est que c'est le premier smartphone du marché à filmer en 4K HDR. C'est-à-dire d'accord. Voilà. Oui. Donc là, on a essayé. On sent que le téléphone est un peu la peine. D'ailleurs, quand on lance le mode, il y a un écran d'avertissement qui dit attention, le smartphone peut chauffer. Tu m'étonnes. L'application vous avez une minute d'autonomie. C'est un peu ça. Non, et l'application peut se fermer, peut quitter tout seul, mais vous inquiétez pas, on enregistrera votre vidéo. C'est normal. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, c'est un peu bizarre. Voilà. On sent que ils ont voulu mettre la fonctionnalité. Il y a des préavis dans les bugs maintenant. Oui, ils l'ont déjà fait, Sony, sur des modes vidéo. C'est un peu. Merci, Jean. On n'a pas parlé. Pas donné le prix, tiens. 800 euros. Voilà, c'est du haut de gamme. C'est peut-être un peu moins cher que du Samsung Galaxy S9, mais bon, c'est du haut de gamme. Voilà, et rappelons que d'une manière générale, c'est vrai que le Sony mobile est un peu à la peine dans le monde du smartphone depuis quelques années. Le test à lire sur 01net. Oui, il arrive sur 01net. Voilà. Parfait. Tout est dit. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer en beauté avec un vraiment en beauté. Tout à fait. David. Mais du coup, on se fait un spécial Sony. Je m'en suis pas rendu compte, mais on va se reparler d'un téléviseur Sony 4K HDR, mais moi avec une belle image. Et il chauffe pas, et il est beau. C'est plus compliqué pour téléphoner quand même, si je puis me permettre. C'est exactement ça. Et pour prendre des photos et ça. Pour regarder les films pendant une heure, je pense que c'est mieux aussi. C'est vraiment, vraiment pas mal. Allez, donc on va se parler du KD65 AF8. Alors on a mis une vidéo en ligne un petit peu plus tôt cette semaine. Et alors c'est vrai que, bon, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, je parle de A8F. Et en fait, c'est la référence US, parce que c'est vrai que quand on se parle de ces téléviseurs, on parle de Bravia A1, Bravia A8, et c'est le nom des séries. Et cet A8, il succède au A1, qui était ce modèle avec acoustique surface, le truc qui était incliné sur son pied, cette dalle qui vibrait, les enceintes à l'arrière. Voilà. Donc, le concept reste le même, une super dalle OLED, en l'occurrence dans une version 65 pouces, donc 165 cm de diagonale. Voilà, là, on est quand même pas mal du tout en termes de taille d'image, ça fait quand même bien rêver. Et surtout, cette techno OLED... La dalle n'est pas fabriquée par Sony, mais par du LG. Voilà. Néanmoins, le processeur qui est derrière, qui est un processeur X1 Extreme, fait quand même des merveilles. C'est vraiment dans la gestion de l'upscaling, de la fluidité de l'image, le traitement des couleurs, etc., que ce soit à l'œil
ou avec nos sondes de mesure, c'est quand même un très très beau téléviseur. Alors là, ce qu'on a à l'image, c'est dommage parce que c'est un truc qu'on ne constate pas autant lorsqu'on regarde, c'est l'effet de clouding. Le LED, eh ben, c'est cette dalle qui est capable d'allumer tous ces petits points et on a zéro clouding. C'est-à-dire qu'il y a cette boucle de démo. Si jamais vous voulez vous faire une petite idée de ce que ça vaut sur votre téléviseur, c'est une boucle de démo qui est sur Netflix, qui s'appelle Meridian et qui permet, qui a des scènes très très dures à restituer et qui permet de se rendre compte de la qualité de son téléviseur. Attends, voilà. C'est quoi le clouding ? Et là, le clouding, en fait, bah, c'est le halo lumineux qu'on voit d'accord. autour des objets. Doucement. Là, il est franchement bien, bien marqué par l'effet de la caméra, le fait qu'on capte cette image sur le téléviseur. Ouais. Mais à l'œil, je vous garantis que c'est d'une pureté et d'une beauté incroyable. L'image est parfaitement noire en arrière-plan. Le personnage se détache de l'avant-plan. Enfin, c'est juste incroyable. C'est aussi la particularité de l'OLED. Hein. Exactement, voilà, c'est la particularité de l'OLED d'avoir ce taux de contraste infini. Mmh. Et puis là, en plus, on a une dalle qui est quand même bien, bien lumineuse avec un beau pic lumineux. En gros, David, techno OLED plus meilleur traitement vidéo actuel, c'est la meilleure télé au monde. Ouais, bah là, on est vraiment. Alors, il va y avoir du sérieux concurrent derrière parce que LG va arriver notamment avec ses gammes C8 qu'on a pu apercevoir. Il va y avoir des choses pas mal sur les nouvelles gammes QLED de chez Samsung qui vont arriver aussi d'ici l'été. Panasonic va renouveler aussi fort probablement. Ils vont De toute façon, on est en train de suivre cette actualité parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc ça va être un gros renouvellement de gamme. Prêt, hein, pour exactement, avec monde, des prix. On sait qu'on va avoir un pic de vente de téléviseurs juste avant le début des rencontres, hein, forcément. Et l'autre particularité quand même de ce modèle, qui peut du coup le distinguer un petit peu avec ses concurrents, eh bien, c'est cette technologie acoustique surface qui fait vibrer la dalle et qui arrive vraiment à reproduire. Bah, quand on a un objet à gauche, un objet à droite, ouais, c'est vraiment pas mal parce que. Chez la concurrence, bah, quand on est sur du modèle premium, par exemple LG Signature, il y a des barres de son qui sont en bas. Ouais. Donc on aime ou on n'aime pas. Et ça permet de faire aussi du Dolby Atmos avec, en utilisant la réfection du plafond pour créer un son un peu plus 3D. Mm-hmm. Là, ici, ce téléviseur, il est extrêmement discret. La marque Sony, elle n'apparaît quasiment pas sur le télé. Il a été effacé et surtout, il est au ras du meuble. Enfin, c'est vraiment un très, très bel objet. Un mot sur la connectivité et sur le côté Smart TV. On en a pour son argent, on a tous Alors, les services. On est sur les services d'Android TV. C'est-à-dire qu'entre Android TV, WebOS et TizenOS, on sait que Samsung, en l'occurrence avec TizenOS, est très très agressif et très réactif. Ouais. Ils sont très à l'écoute des différents fournisseurs, mais on va retrouver du MyCanal sur Android TV, on va retrouver du Netflix, du Molotov, on va aussi retrouver l'appli Amazon aussi, Amazon. Vidéo, donc, YouTube. Ça va. Ce qu'on en a, enfin là où on peut être très en attente. Qu'est-ce qui manquerait ? Non, à y regarder comme ça, pas grand-chose. Disons que le challenge que se sont un peu fixés tous les constructeurs de télé, c'est de vous faire oublier votre box télé, ne serait-ce que parce que peut-être que vous voulez avoir c'est vrai un deuxième grand téléviseur. C'est vrai qu'avec cette télé-là, étant donné qu'il y a Molotov, etc., on n'a même plus besoin d'un tuner TNT. Quoi. Tout à fait. Voilà, bon, il faut une connexion Internet. Voilà, mais le tuner y est. Bon. Après, voilà, c'est vraiment un très très beau produit, mais quand même 3 500 €. En version 65 pouces, donc c'est pas déconnant. Alors finalement, c'est pas déconnant parce que je me souviens que l'année dernière, un 65 pouces OLED est dépassé les 5 000 €. Là, on est à 3 500. Là, donc c'est pas. Alors évidemment, c'est une énorme somme. Mais vous avez la plus belle ça, télé au monde, quoi. Donc c'était le prix des premiers. Il y a bien longtemps. Les premiers plasmas. Et moi, pour ce tarif, j'ai quand même envie de finir sur un truc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ça. Oh, la télécommande. Messieurs, la caméra, là, la télécommande. En revanche, ils ont gardé le designer des années 80. C'est-à-dire que voilà, c'est le design. Là, j'ai la télécommande. Alors, F8 est reparti. Là, j'ai celle du 55 XF90, qui est un autre produit que j'en teste actuellement, qui est du LCD. Elle ressemble à ça. Et c'est-à-dire que quand on a un téléviseur ultra premium avec ou un téléviseur basique, on a la même télécommande. Moi, j'attends un truc beaucoup plus quali. Franchement, un truc rétro-éclairé, il n'y a pas de pointeur, il n'y a que du Bluetooth pour la recovocale, alors, le reste, c'est de l'infrarouge. Je trouve que Panasonic fait des efforts justement concernant les télécommandes. Oui. Moi, j'ai deux télécommandes avec une qui est justement rétro-éclairée, un peu comme celle-ci avec 800 boutons. Ouais. Et la plus simplifiée. Et une autre avec un paddle qui est en Bluetooth, qui permet justement de marcher même si tu n'es pas en phase exactement. De la télé. Exactement. On voit qu'ils font des efforts. Une fois qu'on a goûté à cette télécommande qu'on peut pointer n'importe où dans la pièce et ça fonctionne, on n'a pas envie de revenir au système infrarouge. Alors ça peut plaire à ceux qui ont des télécommandes multifonctions, Harmony, qui ont fait des scripts, qui vont reprendre tout un programme, allume la télé, le Blu-ray, baisse les volets quand on fait un peu de etc. Au-delà de ça, ça c'est plus possible. Je leur ai dit, ça fait au CES, j'aurais dit, c'est télécommande. Tu dois pouvoir la piloter depuis un smartphone via une appli. Tout à fait. Oui, voilà. Ça reste de l'Android TV, on peut y brancher le truc. Mais une belle télécommande, moi je leur ai dit, j'attends un truc. Quand je lève. Ces boutons,
idéalement. Voilà. C'est bon. Sûr. Donc un très beau produit à découvrir, test complet sur zeronet.com. Et attention, parce que la concurrence va être sérieuse. Voilà, la vidéo vous attend d'ores et déjà si vous voulez rentrer dans les détails. Hein. Super, ça fait rêver. Merci David. Merci, beaucoup, merci David. À vous. Un petit tour vers la question 01net Orange. Oui, alors vous n'entendez pas peut-être, mais il y a les commentaires derrière la caméra. Tout le monde remercie David, c'est ça qui est cool. Parce qu'il y a toute sa famille qui est là. C'est ça. Voilà. C'est toute sa famille. Ses cousins. Et les... Puis on fait tout droit du Portugal. La question 01net Orange, est-ce que vous surveillez votre image sur Internet? Oui. Et... Oui, quoi? Oui, 49. 46. Ben voilà, 46, 38 et 46, 16. 46, 38 et 16, très bien. C'est ça. Il n'y a pas de numéro complémentaire. Bon, ça suffit. On dirait le code pour entrer dans une maison. Il est temps de rendre l'antenne. Il est temps de rendre l'antenne. Il faudrait leur mettre un micro dans le fond, là. Oui. Non, mais ils vont nous troller. Un micro ou un sparadrap sur la bouche. Les deux vieux du pet show. L'un ou l'autre. Parce qu'il y a des commentaires, vous ne pouvez pas les entendre, mais... Je crois qu'on délocalise cette réal, insupportable. Exactement. Bon, ben en tout cas, merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi. Rappelons que nous sommes à quelques 1500 abonnés, on dépasse les 400 000. Ça serait pas mal que ça arrive là bientôt. Ah déjà, si toute ta famille s'abonne, ça peut faire bon. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est déjà le cas, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Hein. Donc on n'est pas loin, on compte sur vous si vous n'êtes pas déjà abonné à 01net TV sur YouTube. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, on sera là. Jeudi soir. Merci à tous. Merci à Pierre Thiolin qui était aux manettes et Thomas Romilleret que vous avez vu devant et qui est aussi derrière la caméra. Portez-vous bien. À très vite.